C'est le moment pub. Toujours pas abonné? Alors abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications afin d'être averti quand mes vidéos sortent. Et surtout, si la vidéo te plaît, alors lâche un like. Ça fait plaisir et surtout, ça motive. Merci. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Durotan et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo sur Iron Harvest. Donc on avait fait pas mal d'épisodes en soi. J'ai pu remarquer que pas mal de personnes appréciaient la vidéo et son contenu, plus ou moins. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est de partir sur la campagne et continuer la campagne. Mais je me suis dit, pourquoi peut-être pas partir en multijoueur. Mais le problème, c'est que, vu que j'ai pas touché le jeu depuis un petit moment, parce que j'attendais un petit peu les mises à jour et parce que... comment dire? Parce que... en fait, j'ai pas d'excuses. J'avoue que j'ai pas du tout d'excuses. Je vous propose, les amis, qu'on aille directement sur la mission et sur Escarmouche. Et qu'on s'organise une petite session genre de réapprentissage rapide contre des IA en mode 2v2 ou limite je peux tester le 1v1 et voir un petit peu si je vais me débrouiller plutôt pas mal ou si je vais galérer comme un enfoiré. Donc du coup, celle-là j'ai remarqué que j'ai gagné une médaille d'argent. Donc du coup les amis, je pense qu'on va du coup partir sur celle-là et puis on descendra petit à petit et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous propose qu'on aille sur celle-là, donc les joueurs. Du coup moi je vais prendre... En vrai eux on va mettre... allez, pour changer on va mettre les Polonia pour eux. Et moi je vais prendre... je sais pas qui je vais prendre. Je peux pas choisir moi. On a envie de... Coursier de difficulté, ajouter des objectifs bonus pour gagner davantage d'XP. Ah, ça peut être pas mal ça. Gagner en moins de 14 minutes, gagner en moins de 11 minutes, gagner en moins de 8 minutes. Ouh, ça va être chaud ça. Vas-y, je vais mettre 11 minutes. Perdez moins de 8 unités, perdez moins 5 unités, perdez moins de 3 unités. Ah ouais, ça va être tendu ça. Donc on va mettre 5 unités. Et du coup, bronze, argent... 50% de PV. C'est quoi ça, 50% de PV? C'est quoi, en gros, on a que 50% de PV? Mais nous aussi, ou les unités... Je sais pas. Ça, je vais pas le mettre. Je vous avoue, les amis, je sais pas ce que ça peut donner. Ça pourrait permettre de gagner la médaille d'argent. Donc, on sait quoi, on va mettre argent. On va mettre 8 minutes. Non, on va mettre 11 minutes. Et on va faire perdre moins de 3 unités. Excusez-moi, j'ai un petit peu un chien dans la gorge. Du coup, on va essayer ça, les amis. Du coup, point de victoire, on va le laisser par défaut. Limite de temps, on va mettre... Donc, on est d'accord que la limite de temps... Pourquoi marquer très brève? Ah oui, non, d'accord, ok. Donc, on va mettre une partie de... Allez, de 20 minutes. Allez, 25 minutes, on va essayer vraiment. Donc, ressources par défaut, taille de l'armée... on va mettre quand même élevée. Histoire qu'on ait une taille d'armée assez sympathique. Autant pour moi que pour le joueur adverse, enfin pour l'IA. Par contre, c'est bizarre que je puisse pas choisir mon gars. On va voir ce que ça fait. Peut-être qu'il faut que je choisisse... Ok, voilà, je choisis là. D'accord, super. Donc, les amis, là, je pense que je vais partir sur... j'ai jamais trop testé les Rusvet. Ni la Saxoli, d'ailleurs. Mais je pense que je vais partir sur les Rusvet. Donc, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que ça, j'avais oublié. Du coup, ça, limite, ce qu'on va faire, c'est que... on va prendre des opérateurs lance-flammes. On va prendre... artilleur anti-blindé. Ok, ça, ça complète déjà le truc. Ok, d'accord. Et en réserviste 2... Mais on va prendre... Ah merde, je peux en prendre qu'un seul. Donc, c'est quoi, ça? Un méca d'attaque mobile, armée de munitions explosives, très efficace contre les groupes d'ennemis. En vrai, je vais prendre celui-là. Allez, vas-y. Continuer. Ok, les amis. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Parce qu'en vrai, j'ai peur de me faire défoncer la gueule. Le mec slash pleurer. Allez, c'est parti les gars. Là, on se concentre, on se focus, on est prêt. On pète la baraque. Bon. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Enfin, s'il va bien. Le changement est quand même un petit peu long. Ok, les amis, c'est parti. Stand by. Ok.
Ok, déjà là, ok. Donc l'ennemi il est en face, d'accord? Donc on va reprendre déjà le petit pétrole en face. Toi tu vas construire, tu peux rien construire, ok d'accord, bon on va aller là-bas. Ok, donc ouais, on a moins de vie du coup. T'as les mecs qui sont déjà en train de prendre le poste avant moi, donc en vrai je vais anticiper, je vais prendre celui-là d'abord. Le truc des points. C'est quoi ça? Ok, il y a un canon, d'accord. Putain, je me rappelle plus comment jouer et je suis un peu dépravé là. Ok. Top, on va prendre la réserve de fer qui est là. Après éventuellement mettre une ligne de front ici. Sachant qu'il y a pris des passages. Oui, il y a quand même pas mal de passages en vrai. Ok. Prendre la ligne de fer. Soldat du génie. On va prendre. On va reprendre un truc d'avant-garde. Qu'on va demander d'aller par là, là. Vers là. Ok, donc là, prendre la mine de fer en dessous. Donc là, on a notre truc. Un mortier, ok. Il est bien à la neige. Hein. Ok. Et après, là, du coup, il y a un puits de pétrole. Mais j'irai chercher avec une prochaine équipe. Là, ceux-là, je vais les caler là. Voilà, comme ça, on va quand même anticiper le fait qu'il peut avoir un mouvement ennemi. Il va falloir que je protège aussi le point et il faut que je vais tenter après de. Ah bah attends, il y a le point là. Attends. Il y a le point là, donc on va aller chercher le point là. Ok, donc eux c'est bon. Du coup, c'est quoi ça? Merde, j'arrive pas à voir ce que c'est. Caserne, ok. La caserne, on va la poser par là, là. Pas trop près des murets parce que les murets peuvent servir de protection. On va mettre ça comme ça. Voilà. Soldat du génie, ouais. Après, ouais, je peux. Attends, là, je mettrai du barbelé. Là, je peux pas me mettre en couverture. Pareil. Caisse d'armes, pétrole, on va prendre le pétrole. Caisse d'armes après, voir ce qu'il y a. Alors, je me rappelle qu'il y avait une touche pour permettre de donner plusieurs ordres à la fois. Alors, attendez, je vais baisser un peu le son des voix des PNJ. Parce que du coup, je sais pas si vous entendez mieux moi ou mieux eux. Du coup, le volume des voix, on va le mettre à 1. Le son à l'accueil était un peu fort, mais on va pouvoir augmenter un petit peu. Les volumes des effets, pas trop fort, parce que sinon après ça va être le bordel. Et le volume des cinématiques, généralement c'est assez fort, parce que du coup, cinématique, je ferme ma boîte à camembert. Non, non, sauvegarde surtout pas. Merci. Ok. Attendez, là on a quoi là? Ok. Ah, du coup, j'ai peur qu'il y ait que moi qui ai moins de vie en fait. Du coup, bah là, ah, ils progressent vraiment doucement les ennemis. Hein. Donc pour moi, c'est peut-être moi qui ai un peu l'avantage. Après, faut vraiment que j'arrive à garder mes deux points, quoi. C'est quoi ça? Canon. Vas-y. Alors c'est bizarre parce que en fait j'ai un jeu en tête. Cephus. Comment s'appelle déjà ce jeu? Je crois que c'est Cephus Protocol. Et du coup, en fait, c'est un jeu où globalement tu peux poser des trucs un peu partout. Enfin, il y a certaines unités qui peuvent mettre des barbelés alors que d'autres non. Et en vrai, je pensais que j'étais sur ce jeu-là. Genre à l'instant, quoi, tu vois. Genre le mec qui sert un peu à rien. Ok, et là, il faut quoi? Ok. Donc là, du coup, je vais leur demander d'aller chercher celui-là en attendant. Ok. Donc là, j'ai calé le point là. Ok, donc maintenant que eux c'est bon. Ah. Ah bah j'ai moins de vie qu'eux. Putain. Putain, pour mettre. Là y'a rien pour se mettre à l'abri en plus. Hein. C'est. Allez les gars, là, vous pouvez le faire. Vous faites pas faire. Ah, faut que je clôture là après, là faut vraiment que je ferme là. Bon, eux je vais les rapprocher au max. Ok,
Ah. Oh fuck, vite, barre-toi. Ok, ouais, faut que j'envoie les unités au milieu. Ok, alors attends, faut j'envoie les deux unités ensemble là. J'ai moins de vie que du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc là, hop, merde, y'a un problème là, y a des mecs chez moi là. Ok, vas-y, je vais déployer eux là. Putain, j'ai pas de... Merde. Oh merde, carrément, ils ont... Ah ok, le bâtard. Ils viennent chez moi prendre mes trucs. Non, pas toi, vas-y toi là. Attends, toi. Non. Ah merde. Non, ok. Putain, je fais de la merde là. Je suis en train de faire de la merde ouf. Ok. Ok, vas-y. Attends. Temporise. Vas-y, limite, cale-toi sur le mortier. Our fortification is ready. Mortar present and ready for fire missions. This baby! Quick! Speak! Stay down! Stay alert! Try! Detonate! Cher! Le mec il est trop chaud quoi. Ok, donc toi, cale-toi là. Toi, cale-toi par là. Voilà. Et elle est où la cocotte? Ah, ok, elle est là. Vas-y, toi là. Vas-y, va chercher les trucs toi. Ah, attends, non. Toi, soigne-toi. Ok, au top. Maintenant tu vas chercher ça. Enfin, déjà tu vas la réparer. On va anticiper un petit peu les choses aussi. Puis toi, tu vas te caler vers là. Putain, les enculés. Les enfoirés. Mortar, standing by. Stalk in the shadows. Firing solution received. It's not so bad once it's moving. Shell them! All we need is an order. Wild horses couldn't stop us. Ok, allez où, Bobondas? Ok, vas-y. They won't feel much. Oh, attends, tu quoi? C'est quoi? Je vais avec elle. C'est quoi ça? Vas-y, bouge. Ok, c'est bon. Ok. Ah, les gars, les gars. Ok, toi. À chaque fois, je me gourre, c'est ouf. Toi, tu cales un truc comme ça. Merde. Comme ça. Voilà. Et vous protégez. Toi le mortier, viens te mettre par là. T'auras peut-être un meilleur visu. Toi, retourne ici. Et vous les gars, vous. Go back. Ok. New orders? Heading over. Even better against armor. Ready for action. Ah, je vais aller la soigner parce qu'elle est ouf. Elle est assez ouf, donc lui je vais le mettre comme ça là. Donc, ce côté-là, on va dire qu'il est plus ou moins protégé. Non, vous allez déjà construire le truc là.
Ok, super. Vas-y, toi, je te pêche, que tu restes là pour le moment. Après, en vrai, elle va hyper vite, donc je pense qu'elle a... elle a un move de ouf. Du coup, ça permet du coup de pouvoir la bouger plus rapidement que les autres. Du coup, elle couvrira les deux terrains en attendant. Ok. Ok. Faut que je déploie des une unité un peu plus. Oh là là. Michoui, Michoui les gars, c'est Michoui là. Ok, il va falloir que je déploie un truc ici là. Il n'y a pas une unité. Pas vous. Ok, vous. Bougez-vous de construire s'il vous plaît les gars. C'est pas que je veux être un peu genre casse-couille quoi, mais. En fait, il faut vraiment que je tienne 2 points. Si j'arrive à tenir les 2 points, après c'est tranquille. En vrai, j'ai. C'est quoi, c'est ni un moyen que j'ai mis, non? Ah non, mais il est censé être plus. Voilà, plus vif. Bah, il est pas vif du tout, le mec. Pour le réserviste 2, il faut quoi? Ah, je crois qu'il faut ça, là, l'atelier. Normalement, ça va le débloquer après, mais après, il nous manque 240 d'essence. Ah bah oui, il y a un puits que j'ai pas pris, là. Putain. Le problème, c'est que je veux pas les bouger. Après, pire, je vais faire un mouvement. On va faire ça en speed. Ok, toi. Toi, frère, je veux que tu viennes ici. Que tu te cales. Ah, j'ai une meilleure idée. On va mettre un bunker. Voilà, comme ça. Après, toi, le canon, on va te mettre comme ça. Et toi, bah, toi, tu bouges pas normalement. Attends, une bonne vue. Après, on peut le mettre derrière. Ah, enemy movements. Ok. Ah mec, ils ont jeté une grenade instinctivement, genre hyper rapide et tout quoi. Ok, toi tu veux vous venez là s'il vous plaît. De toute façon, tu vas te faire bouffer soit par, soit par moi, soit par le chill. Oula, non, c'est pas ce que. On peut l'upgrade. Oh, vas-y, on va l'upgrade, ça ne coûte pas tant que ça. On va aussi réparer le. Pourquoi? Vas-y, barre-toi de là, toi. What? Ils sont venus comment là? Putain, heureusement que je l'ai vu. Ah, même mes bâtiments, ils ont moins 80% de vie. Bah, j'ai 80, mais je crois que c'est. Allez, allez, on a presque la mitrailleuse. Ah, ouais, vous êtes comme ça, vous. Ok, vas-y. Ah, c'est pas qu'il meurt, mais. Vas-y, go back, go back. Vas-y, butez-le là, mais finissez-le. Il est juste devant vous. Et les mecs n'ont pas le visé, alors que le mec il est juste devant. Regarde, hop, voilà, il est juste à côté là. Ah bah, quand même, quand même. Allez, go back, go vous faire soigner. Go vous faire soigner. Les mecs ils ont problème là. Okay. Donc, du coup, bah là, du coup, ils sont passés par. Ouais, ils sont passés sur le côté. Ouais. Ok, les ingénieurs, et du coup, ils vont être très très utiles. Donc, vous retournez là-bas. Vous les ingé. Et tout le robot. Voilà, allez, venez. Donc, le robot, lui, il va escalader par là. On va le mettre là, là. Puis, il tirera sur les deux au cas où. Toi, déjà, je veux que tu mettes. On va mettre des barbelés là, les gars. Donc attendez, parce que du coup je sais pas s'ils peuvent passer dans la forêt ou pas. Non. Ok. Ok. Le mec essaye de mettre bien. Et comme ça, je pense que ça devrait le faire. Après je vais mettre 2-3 mines. Toi cocotte, vas-y reste là. Ça se passe quoi? Ok.
Vas-y. On va prendre celui-là, on va le caler là. Tiens, ils font moyen malin là. Entre le mortier plus, la batteuse qui est dedans là. Franchement, il y a moyen. Du coup, là, on a dû commettre des mines. Je vais mettre une, c'est suffisant. C'est vraiment pour ralentir au cas où si l'unité arrive à passer. Il n'y a pas un mec qui est dispo là. Ouh, c'est quoi ça? Ouais. Ok, on va être comme ça. Putain, il tire loin. Hein. Ça va être embouché. Regardez la portée. Hein. Ah putain. Ah putain, je sens qu'à mourir au mauvais moment, elle. Putain, ouais, je vais sortir un canon là. Voilà, voilà. Elle est morte? Ah merde! Ah non, elle est là, putain, j'ai eu peur. Vas-y. Vas-y, bien les torchers, voilà. Et voilà, on va buter lui, toi. Non, toi. Vas-y, tombe ton canon. Alors c'est ouf parce que du coup il passe pas par là mais il contourne les enculés. Vas-y mais bute-le toi. S'attends là. Vas-y, go lui caler un bombe. Non. Oui, c'est bon. Ah ouais, non, mais non, respect pas. Tombe. Là, je joue en mode de bâtard là. Là, je suis totalement de la merde. Qu'est-ce qu'il fait le truc là devant moi? En fait, lui, il essaie de se caler sur lui pour essayer de le buter. Lui, il n'y arrive pas. Vas-y, rentre. Ah, le bordel quoi, vas-y toi. Ok, propre, vas-y. Donc là on pose une bombe là-dessous. Une bombe. Allez. Tant que ça monte au cerveau. Allez, go back. Non. Ok, ça lui coule. D'accord, c'est parce que je lui ai coulé dessus, d'accord. Ça c'est bon à savoir du coup. Oh, propre, super, là c'était propre. Donc là on vient, on se cale comme ça. Toi cocotte, reste ici. Ah c'est le bois de gel là, franchement là c'est un truc de ouf. Hein. Ok donc du coup, là j'ai des copains qui sont un peu fatigués. On n'a pas une unité de soins. Tire un tube blindé. On va mettre des... Ça, on va gagner là. On va dire que c'est juste histoire de dire, mais voilà. Toi, répare ça. Ok. Ah, du coup, c'est bien parce que leur chef, du coup, il est décédé. En vrai, il est puissant de ouf, hein. Il fait tellement mal. We're going. Là j'ai des unités qui arrivent. Multiple enemies sighted. On dirait que c'est des mitraillettes, mais en vrai ils ont dit que c'est le fusil qu'ils utilisent.
Ok. Ok, du coup là il y a des ennemis qui arrivent. Ah, eux par contre ils ont des mitrailleuses. Pourquoi tu tires pas toi? Ah si, elle tire, excuse-moi, mais... Mes paroles ont été un peu... un petit peu sec. C'est bon, arrête de réparer ça. Tu vas caler du coup... J'arrive pas à voir là. C'est comme ça ou comme ça? Comme ça? Oh, on verra bien. Ouais, je crois que c'est bon, c'est comme ça. Placement bloqué. Il est bloqué parce qu'il y a le canon à côté ou parce qu'il y a ça? Merde. Bon, après, c'est pas grave, au pire, je peux l'annuler, le passer à côté. Bon, on a gagné. Supériorité stratégique. Du coup, c'est quoi le Léo fait ça? Emporter une partie, gagner assez de points de victoire. Ok, super. Super, super. J'ai éliminé 5000 de fer. Ah, on avait débloqué 2 oufées là. Enfin, 2 succès. 2 oufées. Je me crois un peu sur vous. Ah oui, c'est la victoire totale. Emporter une partie avec un bilan de 500 points. Une victoire à 0. Ouais, j'avoue que je les ai un peu pliés quand même. Donc on a gagné le combat sur 20 minutes. On a perdu 2 unités sur 3. Ok, bon, du coup, on a quand même bien... Mais elle a pas eu l'argent. C'est con, ça. Ah, niveau faction, niveau portrait. Ok, donc faudrait peut-être que je mette un truc supérieur à l'IA moyen, du coup. Bon, après, prendre le risque, du coup, c'est un peu plus compliqué. Alors du coup les gars, c'était juste pour vous mettre en bouche, du coup je compte refaire quelques parties dessus. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode qui est plus ou moins un peu plus court que les autres épisodes que je fais habituellement. Voilà, donc la prochaine fois les gars, on va repartir sur une partie en multi, donc j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. Puis on va espérer la prochaine fois de ne pas se faire défoncer la gueule. Voilà, salut.